Nous abordons maintenant la cinquième partie. Je voulais vous présenter tout le travail que j'ai fait cet été sur ces petits formats, sur deux sortes de papier, du papier RIF BFK, ainsi que sur du papier jaune Wang, 80 grammes, qui donne un côté un peu éphémère, un peu plus libre que le papier RIF. Et je voulais vous montrer ça. J'ai retravaillé beaucoup d'œuvres en peignant à l'encre de Chine avant d'imprimer ou en surimpression. Donc, il y a toujours le thème de l'érotisme ainsi que le yantra, qui est le point bindu, c'est le point de départ de l'univers, ainsi que le sexe de la femme, bien sûr, on voit ici. Donc, je ne sais pas si tu as envie de commenter quelques œuvres. Ou... Je sais pas, elles sont tellement fortes. Tu avais parlé aussi de la danse sacrée. Oui. Tu as quelques représentations peut-être qui illustrent ce délire du corps en mouvement dans la danse qui est, c'est magnifique. Oui. Voilà, en fait, oui. Symbolique extraordinaire. Le titre de ces œuvres, ça s'appelle Shakti Yoni. Voilà. Shakti, c'est la force féminine en Inde. Et Yoni, c'est le vagin, sexe, le sexe féminin. Et après, ça s'appelle Ecstatic Cosmic Dance. Voilà. C'est-à-dire que c'est une danse c'est cosmique. Que je reviens oui, au oui, bien sûr, oui, oui. Pour dire que c'est une complétude. Voilà. Et il se trouve que sur les réseaux internet, on trouve beaucoup de femmes japonaises qui font cette danse hein, de transe, un peu oui. À moitié nue. Et je trouvais que c'était quelque chose comme un. Elles avaient la puissance des derviches tourneurs, elles rencontraient l'univers comme oui, ça, oui, oui, oui. Sexuellement. Autour de l'axis mondi, voilà. Oui, oui, tournant oui. Autour voilà. De ce pivot sacré. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Et ça m'a choqué parce qu'on peut penser que c'est une danse vulgaire, mais moi je pense que le rythme scandé permet d'accéder justement oui. À un ailleurs. Et on retrouve un peu le sens orgiaque, Dionysos, voilà. Avec les bacchanales et oui, oui, oui. Toute cette tradition oui. Qui manifeste à la fois l'élan vital, la joie, le sexe et tout ce qu'il y a. Le désir, le désir aussi. Le désir. Oui, oui, oui. Et cette force de vital qui organise quand même le cosmos. Bien sûr, très, oui. Très, oui. Très bon. Et ça m'a fasciné. D'ailleurs, beaucoup d'images féminines que j'utilise dans mon travail viennent. D'asiatique, je ne sais pas pourquoi. Il Une me dernière semble que... question, oui, s'il te plaît. Oui, oui, c'est ta volonté particulière de saturer ces couleurs à ce point très sombre. C'est quelque chose que tu as voulu et qui a une signification particulière. En particulier, ces bleus mystiques très très profonds. Et, c'est vrai, mais il paraît que l'âme. L'âme est proche du violet, la couleur de l'âme est proche du violet. Donc, il y a, de ta part, il y a cette volonté-là. Oui, oui, oui. Très bien. Oui, parce qu'apparemment, il y aurait des degrés plus ou moins spirituels dans oui, la couleur. Oui, oui. Bon, ça faudrait en parler aux moines tibétains qui connaissent les couleurs bien mieux que moi. Mais oui, on le sent, dès qu'on s'approche du bleu outre-mer ou du bleu violet, comme ça, oui. Ça devient plus spirituel. Le grand corps de bondage, oui. Oui, 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 oui. Dans ces tons de bleu-violet, oui. C'est... Je pense que ça lui confère une spiritualité encore plus forte. Oui, 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 c'est vrai. Dans la dimension voilà, ouais. et dans la couleur aussi. Oui, oui. Ouais, oui en fait, c'est une œuvre que j'ai imprimée sur papier qui fait 3 mètres par 1 mètre. 3 mètres, oui, ouais. Oui, oui, c'est absolument. Bon, je crois que c'est le point de notre rencontre. Exactement, oui, oui, oui mais il se trouve que tu as flashé sur cette œuvre. Autour de cette, ouais. Cette femme absolument sublime et ouais. À la fois dans un contexte qui aujourd'hui peut être choquant et qui prend une dimension absolument extraordinairement sacrée. Sacrée, extatique, oui. Oui. Oui, 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 oui. Donc merci là, Jean-Pierre. Je t'en prie, alors, je vais vous présenter donc, d'autres travaux sur du papier comme ça. Parfois j'imprime sur du carton parce que les feuilles viennent dans du carton, tu vois. Ça, on dirait, c'est beau aussi, c'est ce rouge, tu vois, avec ce sexe noir, avec des phallus. Et ça aussi, tu vois, avec les fleurs, le chrysanthème japonais. Et ça, j'ai mélangé la même image avec un schéma du temps en Inde. Et là, un truc très, très porno, graffiti, avec une fleur. Et
Ça, c'est cette image érotique avec un Selknam de la Terre de Feu, un Indien. Et ça, c'est aussi un schéma du temps chez les Mayas. J'apporte beaucoup d'importance au schéma cosmique. On peut penser que c'est le parcours du Soleil et de la Lune. Et ça aussi, on sent aussi dans celle-là une espèce d'extase. On retrouve chez Burel qui a voulu, avec les colonnes de Burel, oui, à Paris, représenter le calendrier Maya. Ah bon? Oui, 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 oui. Très intéressant. Et là, on tombe dans des choses un peu plus abstraites. Je suis beaucoup inspiré par une petite gouache hindoue où il représente le vide cosmique. Et pour moi, le vide est aussi important que le plein. Et je voulais en parler. Et en fait, avec ce périmètre, voilà, sacré. Mais ça, c'est un périmètre qui vient de dessins mexicains. Ça représente beaucoup. Et là, on trouve. C'est des dessins qui viennent de grottes préhistoriques, sans doute d'Afrique. Des animaux. Zimbabwe. Mmh. Ils chassent des animaux. Voilà. Et c'est toujours dans la même série? Oui, oui, sur le Shaktioni, oui, oui, oui. Mais j'en ai imprimé plus de 1200, donc voilà, je suis content d'avoir travaillé sur cette série. Voilà, on travaille toujours plus sombre. Et ça, c'est le Pakal, c'est un dieu maya, c'est le couvercle de son sarcophage. Et je trouvais qu'il était tellement en extase dans sa mort, comme ça, dans un autre monde, il flotte dans l'univers comme ça. À la fois en train de se régénérer et puis il est bien, comme dans une matrice, si tu veux. J'ai voulu le retour. Le retour à la vie. À l'eau originelle. Voilà. Oui. Voilà. Et puis ça, c'est un bondage aussi, oui, très sexuel. Pareil avec des bleus violacés qui sont. Voilà. Très évocateur. Je finis par quelques rouges, je trouvais qu'ils étaient beaux, ces rouges. Oui. On voit moins l'image, mais on sent quand même la densité de la couleur. Est-ce que tu veux... Non, je suis un peu sous le choc de cette tant de beauté, mais c'est vrai que c'est une série particulièrement forte. Oui. Je crois qu'il te tient à cœur et qui est d'une très grande richesse de représentation et de symbolique. Oui, et de couleurs. Oui, de couleurs. On est frappé par ça. Oui, merci, voilà. Merci à toi de nous avoir fait découvrir en premier. Oui. On ne les connaît pas. Non, je ne les ai même pas scannés. C'est fait cet été, je crois. Oui, cet été. Travaillé, oui. Et tu as fait été, aussi, autant. Quelques photos, quelques vidéos de toi au travail. Voilà. Merci. Merci.